Oh putain, le travail est dur aujourd'hui. Hein. Gars, il y a les jours comme ça. Moi-même, je ne vois pas clair. Et puis au matin, je m'en sors pas. Mais je suis sûr que tu as quand même, il y a bien work. Mais quand il dit que le travail est dur, là, c'est je suis en train de blaguer. Bon, tu n'as que tu work toujours avec les écorces, non? Donc je ne te crois même pas. Ah, tant pis pour les gens qui disent que je travaille avec les écorces. C'est naturel. Aujourd'hui, là, même sans prenez même pas encore eu. Là, je suis gagné, là, même déjeuner. Ah. Tu as quand même rationné quand tu sortais, non? Bien rationné où? Mais. Tu es sûr? Ah là, je suis sûr, non, je ne t'ai pas rationné. Je comprends. Je te dis la vérité, quand tu ne m'as pas de vérité, on croit toujours que je blague. Je n'ai pas rationné. Oh putain! Tu as vu ça? Quoi encore? Oh, mon bébé, tu okay, je dis, tu es Superman. Tu es joli, hein? C'est toujours comme ça. Ou c'est même quelle sorcellerie d'amis qu'on m'avait donné comme collègue. C'est comme ça. Depuis le matin, tu te plains que tu n'as rien travaillé. Ma laisse d'abord ça. La femme d'abord avant. Ah bon chérie, tu as travaillé combien? Je vais au carrefour ici. Ah, maman, monte, on va. De toutes les façons, j'ai la ration à donner à la maison. Man, attends un peu, je monte en bas. Et mon ami s'y a tout fait pour prendre. Après, il va me dire que c'est moi qui ai les écoles. Comment je double quelqu'un, je n'ai pas bloqué l'engrais. Elle monte plus dessus. Mais. Je suis pressée, laisse-moi. Ça ne veut rien dire. Dépêche-toi. Non, d'abord, bon, on va aller. Comment tu t'appelles, ma chérie? Daïva. Bah, moi, c'est Oxygène, le bon boss. Le plus beau de sa jeunesse. Ah bon, hein? Oui. Ok, on parle. Wow, tu es jolie, ma chérie. Merci. Wow, ma chérie. Tu es le genre que je te mets au lit. Je mets le tarot sur toi, je mange. Ah bon, hein? Ok. Non, avec toi, s'il y a le couscous, je n'ai pas besoin de la sauce. Je coupe le couscous et puis je mets sur toi, je mange. Ah tu bon? Tu prends ma sauce. Ouais, merci. Je dis, mais franck, c'est là. Quand je regarde ça comme ça, c'est comme si ma langue était à l'intérieur. Ah bon? Donc tu t'imagines déjà en train de... Effectivement, ma chérie. Ok. C'est très joli. Merci. Tu l'as déjà dit plusieurs fois. C'est possible d'aller me déposer maintenant. Je vais aller te déposer, mais laisse-moi t'expliquer mes sentiments. Pas, j'ai soif. Je veux que tu ailles me déposer. Ah, tu as soif, c'est pas un problème, c'est un petit problème. Donc, ton problème, c'est que tu as soif. Pas soif d'eau. Il n'y a pas un problème. Quoi? N'ai pas soif d'eau. Je sais. C'est pas un problème. Ah, c'est pas un problème. Ça veut dire que tu veux boire une bière? Une bière. Je veux boire. Et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu vas boire autant de bière que tu veux. Ah, on part. C'est moi qui choisis le coin ou c'est toi qui choisis? Peu importe, ça dépend de toi. Si tu veux, tu choisis. Comme je peux aussi choisir, je me dis, il n'y a pas de problème. On passe, c'est moi qui choisis. D'accord. Tu connais déjà mon goût, hein? Comme c'est glacé. Ouais, ouais. Ma chérie, la bière, c'est combien? 800. Ok. Tu bois pas? Non, j'ai pas soif. Donc, tu vas rester là comme ça, je vais boire, toi, tu seras là comme ça. Non, il n'y a pas de problème. Tu as dit que tu voulais boire, non? Ok, bois.
Ok, ben j'arrive. Hein. Pardon, laisse ton téléphone en garantie. Moi, je ne suis pas sûr. Mais laisse. Je vais m'accorder le chouron. Tes numéros sont importants, tu vas revenir prendre. J'ai une urgence. Il y a encore quoi? Il me faut pour un colo dans les quelques minutes qui suivent. L'urgence, c'est encore quoi? Mais tu es plutôt. Et il n'y a même pas les cas. En tout cas, man, prends-moi un peu mille fois là. Pardon. L'urgence, c'est quoi? Je demande ça depuis. L'urgence, c'est quoi? Je ne sais pas savoir. C'est une affaire qui est trop compliquée. Prends-moi mille francs. De toutes les façons, tu es mon ami. Tu me donnes ça quand? Même si c'est demain, ça va aller. Non. Ce soir, avec intérêt. Ok, il n'y a pas de problème, man. Donne-moi d'abord pour nous. L'intérêt de combien? Man, donne-moi d'abord, il va gérer le problème. On va, quand il va revenir, on va causer. Attends, mon téléphone sonne. Mille francs, c'est pour quoi? Mais c'est pour ta bien, non? Quel bien? Tu vois tout ce que j'ai déjà vu, regarde. Oh, putain! J'ai vu un casier, tu vas payer, monsieur. Oh, putain! C'est ça! Je m'appelle Oxygène. On t'appelle Bourdon. Mais qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu portes autour de ton cou? Un collier. Celui que tu m'as offert. Et il coûte combien? 370 000. Justement. C'est ça le plus important. Et occupe-toi de ce qui te regarde. Ha! Oh les yeux, imagine-toi. Le son, le sable. Oh les yeux, imagine-toi. Le soleil, la plage et le sable. Que c'est chaud, c'est doux. Que c'est chaud, c'est doux. Tu serais mieux étant. Ma femme, tu serais mieux si tu étais. Au fait, Lucille, as-tu pensé à ce que je t'ai dit la dernière fois? Mais ça ne va pas. Vous osez me faire la cour en plein hôpital alors que mon petit ami est juste allongé là mourant. Vous avez un cœur de pierre. Et c'est avec ce même cœur que vous prétendez l'aimer. Une femme aussi belle que toi peut transformer la pierre la plus dure du monde en fleur. Tout ce que je veux, ce n'est qu'un rendez-vous avec toi. Et tu me dois ça quand même. J'accepte. Hein? 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 J'accepte de t'épouser. Ah mais voilà! Voilà! Viens, viens. C'est à cause d'elle que tu n'as plus mon temps, n'est-ce pas? Je crois que je vais vous laisser. Assieds-toi! Singhi, non! Ne me repousse pas, s'il te plaît. Aujourd'hui, toi, tu es mariée. Désormais, tu m'appartiens plus. Laetitia, tu es mariée. Tu es la femme de quelqu'un. La vérité est juste que je t'aime toujours, Singhi. Tu l'as venu et je ne le supporte pas. Monsieur, votre femme, personne ne la discute avec vous. Tu n'as donc rien compris, jeune homme. Tu dois mourir. Mais vous m'avez déjà tout pris. Vous m'avez pris ma femme. Qu'est-ce que vous me voulez encore?
ta vie. Ma vie? Pourquoi? Tu connais avec exactitude toutes les courbes de ma femme. Vous êtes un gros malade. Pour que tu comprennes mieux mon petit, je dois être le seul sur cette terre à avoir vu ma femme nue. My name is Mopao. Tu es la plus belle femme que connaît ce beau monde. Ma chérie, laisse-moi t'aimer, te chérir, te chouchouter, ah oui. Tu es la plus belle fleur de mon jardin et le meilleur cadeau que la vie ait mais jamais offert, magnifique. Hey, grand mon pao, c'est de moi. Grand mon pao, le champion. Mademoiselle a quitté les carabottes pour habiter dans la villa. Elle ne mange que des gambas. Dans la vie, y a pas de hasard. Est-ce que ce n'est pas mieux ça, jeune homme? Est-ce que ce n'est pas bien ça, petit? Ton ex, si ma femme, son homme, c'est moi.